Le musée dont est le héros, c'est un principe qui va placer le visiteur en tant qu'acteur dans le musée. On va lui fournir un concept qui va lui permettre de se repérer dans le musée et d'interagir avec les lieux pour permettre une évaluation et aussi de visiter le musée autrement. Donc un badge va être remis à l'accueil aux visiteurs suivant deux principes. Je veux faire une visite précise, dans ce cas-là le badge sera paramétré pour, ou je veux me laisser surprendre par le musée. Et à partir de là, les propositions seront différentes pour chaque visiteur. Du coup, le visiteur va se déplacer de borne en borne sur des endroits un peu stratégiques, à des sorties d'expo, à des entrées d'escalier, pour interagir avec une petite borne qui va lui dire tu dois aller à cet endroit, mais je te propose aussi éventuellement d'être surpris, et dans ce cas-là, tu vas cliquer sur un bouton qui va te dire va dans cette direction-là, il y a quelque chose à aller voir. Il va pouvoir liker certains espaces pour permettre au musée de savoir quels espaces muséaux fonctionnent bien, mais aussi, par exemple, en fin de semaine, d'avoir un récap sur les médias sociaux du musée pour dire, par exemple, c'est la chapelle du musée qui a été le plus visitée cette semaine et qui a été le plus likée. On espère, tous les six, on espère fortement que ça va fonctionner. Après, si ça marche pas, ce sera un peu la surprise. Mais normalement, ça devrait aller.